Salut tout le monde, donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo ouverture de colis de Laurence. Donc Laurence, qui est Laurence, c'est une de mes abonnées. Donc elle m'a envoyé un colis, j'étais pas d'accord du tout parce que en fait je vous explique comment elle a eu mon adresse. En fait elle avait gagné au concours de la Bandy Box. Donc du coup elle a gardé mon adresse et du coup elle m'a envoyé un colis. Donc franchement Laurence, il fallait pas. T'as gagné le concours, donc moi je voulais rien en retour. S'il vous plaît les filles, ne m'envoyez pas de cadeaux, gardez votre argent. Et je suis gênée en plus, voilà, moi je suis quelqu'un qui est énormément gênée. Je préfère offrir que recevoir. C'est un peu bête, mais voilà, ça me gêne et tout. Donc du coup, je suis trop gênée et super touchée de ta part. Merci d'avoir pensé à moi. Donc du coup, j'ai voulu quand même filmer la vidéo. Donc j'ai juste ouvert le carton et j'ai pris le petit mot qui se trouvait à l'intérieur. Donc comme elle disait, j'avais gardé ton adresse pour te faire un petit colis de Noël. Ce n'est pas grand chose, juste des produits que j'aime bien et des bonbons pour tes enfants. Donc déjà, même si, pour moi c'est le geste qui compte, donc merci beaucoup. Donc j'ai vu qu'il y avait du savon et bougies dans le paquet que tu as fait maison, donc franchement... je vais pouvoir tester tes produits, merci beaucoup. Donc passons au déballage du cadeau. Donc je ne sais pas si j'ai ouvert à l'endroit ou à l'envers. En fait j'ai ouvert par rapport à l'adresse, donc je pense que c'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc voici le premier petit cadeau. Voilà, donc c'est trop mignon avec les petits scotch de Noël. Donc c'est écrit produit que j'aime. Alors, ça me dit quelque chose. Ah oui, si, si, j'ai déjà testé. Attendez, je vous montre ce genre. Ah oui, oh, violette macaron. Mmh, ça doit sentir super bon, ça. C'est les produits que j'ai vus chez Leclerc, je pense. Donc, je vais l'ouvrir. Franchement, merci beaucoup. Hein. Donc, vous avez le petit parfum. Donc, c'est violette macaron en deux toilettes. Donc, là, c'est le parfum pour. Pour le sac à main roll-on parfum gel, et là vous avez une crème pour les mains gourmandes et à la vanille. Ah oui, c'est pas pareil. Donc celui-là c'est vieux, si les deux c'est pareil, et vous avez une à la vanille. Je vais juste sentir celui-ci. Mmh, ça sent trop bon. C'est vraiment, ah ouais, ça me fait penser aux brumes de Benetton. Mmh, merci beaucoup, hein. Franchement moi aussi j'aime bien ce genre de produit. Donc merci beaucoup ma belle, t'es un amour, hein. Franchement merci, hein. Voilà, donc ensuite un produit cottage. Donc ah oui, ça c'est le gommage cottage, donc celui-ci j'adore. Donc elle a dû regarder une de mes vidéos produits terminés, je pense. Donc celui-ci c'est un très bon produit. C'est c'est le sucre de violette, c'est un gommage en fait exfoliant. Et franchement ça gomme super bien, vous pouvez le trouver chez Leclerc. Par contre j'ai vu que chez Leclerc et chez Stokomani pour l'instant, je ne l'ai pas vu chez Carrefour ou Cora. Donc ça sent, ouais, ça sent la violette en fait. Hein. Et merci beaucoup, hein. Franchement il ne fallait pas. Hein. Là, oh là là, vous avez, j'ai les petits bonbons pour les enfants. D'ailleurs ils sont là, et je leur ai dit de ne pas faire de bruit. Donc voilà les enfants, donc vous dites merci à Laurence. On merci, dit merci Laurence. Voilà, tu les as entendus, donc merci beaucoup d'avoir pensé à eux. Tiens, là. Merci. Ah voilà, ils sont là les... Donc, ah oui, la cire à brûler douceur d'ange. Donc franchement, merci beaucoup d'avoir fait une bougie pour moi. Voici la bougie qu'elle m'a fait. Et honnêtement, ils sont super bons. Donc j'ai hâte de la faire brûler. C'est trop mignon. Hein. Ça sent trop bon. Je kiffe. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc c'est cire à brûler vanille. En forme de cœur. Donc franchement, bravo. Hein. Tu sais faire les cires parfumées là. Ça sent trop bon. Merci beaucoup. J'ai hâte de faire brûler cette tartelette et donner mon avis. Ensuite, j'ai un savon bio aloe vera caramel. Ah ouais.
Oh, il est balèze, hein. Franchement, bravo, hein. Ça sent trop bon, ça sent beaucoup le caramel. Donc franchement, bravo, hein, d'avoir fait tout ça. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Donc à chaque fois que je vais tester, je penserai à toi, ma belle. Merci beaucoup, Laurence, hein. Ça sent bon, hein. Et pour finir, donc parce qu'on a donné des pépons d'ange à nos fils. Pépons d'ange. Attends, il faut que je relis. Parce qu'on a donné. Ah, pardon. Parce qu'on a donné des prénoms d'ange à nos fils. Et c'est vrai que mon fils s'appelle Gabriel. Et si. Normalement, si j'avais encore un fils, j'allais l'appeler Raphaël, comme son fils. Mais j'ai pas eu de fils. Alors, c'est quoi? Bah oui. Un joli petit ange. Oh, c'est trop mignon. En plus. Ah oui, c'est. Ça s'illumine. Vous savez, ça a LED. Oh, c'est trop mignon. Un petit ange. Je vais y arriver. Qui s'illumine. Oh, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Je kiffe. Oh, je vais mettre sur ma cheminée. Il est magnifique. Merci beaucoup. Hein. Tu peux pas imaginer comment ça me fait plaisir, ce genre de cadeau. Oh, on dirait que tu lis dans mes pensées. Parce qu'à la base, j'avais une vitrine remplie d'anges. Mais vu qu'on a réaménagé la maison pour les enfants, je fais un sort de crèche à la maison. Donc j'ai dû enlever cette grande vitrine où il y avait tous mes anges. Donc tous mes anges sont dans un grand carton dans ma chambre. Donc c'est dingue. On a... C'est vraiment aussi les anges. J'aime trop les anges. Je sais que nos anges sont toujours près de nous, qui nous protègent. Donc franchement, très très beau geste. Ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Franchement, il fallait pas. Et... Tu dis c'est pas grand chose, mais franchement c'est le geste qui compte. Tu peux pas imaginer comment ça me fait plaisir. Et merci beaucoup d'être là en tant qu'abonné. Donc merci beaucoup. Je te fais d'énormes bisous ma petite Laurence. Et gros bisous à Raphaël aussi. Voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. J'aime bien faire ce genre de vidéo quand je reçois un colis d'une personne. Faire la vidéo et voir ma réaction. Donc j'avais fait aussi... des achats chez Action. Je me suis dit j'allais l'intégrer dans cette vidéo et comme ça vous aurez un petit peu plus de vidéos à visionner. Donc la dernière fois je suis allée chez Action, mais du coup je vous ai pas fait la vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas la faire de suite. Donc j'ai pas acheté grand chose honnêtement. Donc premièrement j'ai trouvé ces nouilles chinoises, donc ils étaient à 65 centimes. Donc j'en ai déjà goûté un hier, franchement c'était super bon. En plus vous avez à l'intérieur une petite fourchette, donc je trouve ça sympa pour les personnes qui mangent ça le midi quand ils sont au boulot. Ensuite j'ai trouvé ce lot de chaussettes, donc il y en a trois, ils étaient à 1,49€ il me semble, donc ils étaient en... c'était la promo de la semaine. Donc franchement j'étais surprise quand j'ai vu la marque Loto, donc du coup... J'ai pris en noir aussi. Voilà, donc pour 6 paires de chaussettes, j'en ai eu même pas pour 3€. Voilà, donc c'est chez Action. Ensuite, j'ai trouvé cette paire de collants. Donc, ils étaient à 1,29€. Et honnêtement, j'en ai essayé un samedi. Il est en très très bonne qualité. J'aime trop. Donc, pour 1,49€ ou 29€, nickel. Ensuite, pour Gabi et Clara, j'ai trouvé ça pour qu'on puisse apprendre à compter quand on va à la boulangerie. Donc, c'est assez ludique pour apprendre. Donc, il était à 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est pour mettre les cotons, en fait. Coton, coussinet, port. Voilà, donc c'est en acrylique. Il était à 90 centimes. Donc là, vous mettez le coton. Vous avez ce petit capuchon. Du coup, j'ai trouvé aussi ces lingettes de la marque Essence. Donc, il y a encore du Essence là-bas. Donc, j'ai pris deux paquets. J'en ai déjà testé un. Donc, c'est des lingettes antibactériennes pour s'essuyer les mains. Donc, franchement, l'odeur est bien. Il était à 90 centimes aussi. Donc, j'ai pris deux paquets. Ensuite, j'ai pris ce lot de deux paquets de coton. Donc, c'est pas pour mon visage. J'ai pris ça pour enlever le semi-permanent. Avec l'aluminium. Donc ça du coup je vais le mettre dans mon pot à acrylique pour mettre les cotons.
Voilà, donc il était à 90 centimes les deux paquets. Gros prix, un petit miroir de poche à 45 centimes. Voilà, j'ai repris mes chocolats favoris de chez Action, donc c'était à 90 centimes, donc à chaque fois j'achète ces chocolats, avec le café c'est nickel. Donc ensuite j'ai repris deux paquets de crackers pour Clara, donc ça on aime bien, c'est quand on a une petite faim, ben on mange ça, c'est pas trop salé et c'est pas écœurant. Donc c'était à 49 centimes pièce je pense. Ensuite Clara a pris un petit paquet d'M&M's. Ensuite, on a pris ça pour tester. Donc, c'est de la marque Nestlé. Ça s'appelle Rollo. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Donc, moi, je pensais au début, c'était des bonbons, mon chocolat. Mais en fait, non, carrément, c'est le chocolat. Donc, on en a ouvert un la dernière fois. Bon, c'est pas grave, je vais ouvrir celui-ci pour vous montrer. Voilà, donc, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez du caramel mou. Donc, c'est super bon. Il était à 80... Je sais plus, il était à combien, 90 centimes, je crois. Et j'aime bien. Donc, on a repris ces bonbons de la marque Haribo. Voilà. J'ai repris une petite bouteille d'Aloe Vera. Donc, on me pose toujours la question, c'est quoi comme goût, en fait? Moi, je le fais penser à des grains de raisin. Donc... Par contre, il y a du bicarbonate à l'intérieur. J'ai lu les ingrédients, c'est pour ça que si vous rôtez, c'est normal car il y a du bicarbonate. Franchement, bon, le chocolat avec le caramel est trop trop bon. À la fin, vous avez ce goût caramel là, trop délicieux. Et honnêtement, ça sent trop bon ça. Et honnêtement, ça sent trop trop bon ça. Je suis en train de le ressentir là. C'est vraiment un goût sucré à la violette avec le macaron. Magnifique. Merci beaucoup Laurence. Donc voilà les filles, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !